Hey, salut les amis, c'est Jeté, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme et trois grands garçons ont eu chacun. Ah ah. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons les faire grandir. Donc ça, ça sera génial. Vas-y, souffle tes bougies. Soufflez les bougies. C'est fantastique. Hop. On prend un truc comme ça. Hop. Ajouter des bougies. Souffler les bougies. Voilà. Oui, on prend le même. Hein, voilà. Et le dernier. Hop. On prend un truc là comme ça. Voilà. Et le dernier. Ajouter des bougies. Et tu me les souffles. Soufflez les bougies. Allez, soufflez-les-moi, mec. Et on a fini. Et ils sont adultes. Et ils sont adultes. Et ils sont adultes. Et bah oui, ils détestent les gosses parce que voilà. Bah les amis, bon, les gars, je vous explique. Les gars, il y a des trucs parfois qu'il faut faire. Il y a un moment où ils font quitter le nid. Et ce moment est arrivé, les amis. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Donc je sauvegarde juste un petit coup, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va regarder pour... Donc je crois que c'est dans... Gérer les mondes, juste gérer les mondes. Je crois que là on peut dissocier là, si je me trompe pas, on peut y a un truc pour gérer la famille chez lui, parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Donc ça sera très bien, ça sera très 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 bien les amis, moi je vous le dis. Ouais non, c'est... sauf qu'elle est pas dans ce monde là, Lucie. Plus gérer le foyer, transférer des sims entre les foyers, est-ce que ça fonctionne comme ça, est-ce que je peux faire ça? Oh là là, le truc, oh là là, le truc. Bon, on va les mettre où? On va les mettre où? On va créer carrément un nouveau foyer. Hop. 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 Et on va les mettre où? Je sais pas où on va les mettre. Je sais pas du tout où ils sont. Aïe, ok. On a vite à être dans ma galerie ou un truc du genre. Dans mon truc des foyers, dans mon gestionnaire des foyers. Non. Gestion des foyers. Ok, nickel. Ok, ça c'est parfait. Bon, on va les taper. On va les laisser là. On va les laisser là. Ils sont bien. On n'en a un peu rien à cirer. Ils ont grandi. C'est très bien. On retourne avec notre petite madame et sa fille. Donc c'est super. Je suis contente parce que là on a déjà trois bébés. Enfin, déjà trois gars qui... Trois bébés sur les 100. Donc ça, c'est génial. Aussi, donc, je voulais... J'ai un peu regardé entre les deux épisodes qui était le papa de l'Asiatique. Et je crois que c'était l'Asiatique au pantalon vert, si je me souviens bien. Donc, voilà. Donc, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Grand frère, casse-toi. Merci, au revoir. Oh là là, nettoyer, ça c'est nickel. On a notre fille ici. C'est nickel. Oh, que d'un coup c'est plus léger. Que d'un coup c'est plus léger. Ça c'est bien, ça. Nettoyer. Oh là là. Il y a moins de sims à s'occuper. Ça c'est super. C'est super les amis. C'est plus... Oh là là, oh là là. Je vous promets, je me sens mais tellement plus légère là d'un coup. C'est tellement bon. Tellement, tellement bon. Allez, va dormir. Et ici, la petite, hop, hop, voilà. Hop, prendre une douche, voilà. Comme ça, elle sera bien, bien propre. Est-ce qu'elle a ses deux points? Elle a ses deux points de compétence. Mettre dans l'inventaire et elle va dormir. Peut-être déjà dormir? Non, ah non, 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 mais elle a la dalle, en fait. Elle a la dalle, ouvrir.
C'est quoi cette voix? Oh, c'est trop cute sa coiffure! Allez, va manger, va becter un bout, ma chérie. Et si ça se trouve, les amis, on a peut-être notre héritière pour la suite. Peut-être. Ah, elle est super mignonne, hein. Elle est toute choupette. Bon, un peu... C'est vrai que c'est un peu bizarre, les cheveux blonds basanés comme ça. C'est très possible que... Je vais attendre qu'elle soit ado. Et si son apparence ne me plaît pas une fois ado, c'est très 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 possible que je la change avec un truc. Pour que... Oh mince, j'ai des factures à payer. Pour Et ça soit un peu logique avec, avec le papa, je vais dire. Ok, allez, va dormir. Il est déjà beaucoup trop tard. Va, mais ne laisse pas allumer ça. Éteindre tous les éclairages, voilà, comme ça. Il y en a qui m'ont fait des remarques, genre je dis, mais c'est normal que tu payes plein de trucs, tu laisses tout le temps tout allumé et tout, bah... Oui, c'est vrai, je pense pas forcément éteindre tout, oui, effectivement. Mais voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, va... Bon, j'ai mis en automatique. Bon, c'est bon là? Ouvrir... On y va. Bon, il y avait un papa qui était pas mal. On va essayer de draguer un papa. Ça pourrait être particulièrement utile. On va vite payer les factures aussi, tant qu'à faire. Ça serait bien. Voilà, hop. Notre fille. Elle est éveillée. Oh, avec le petit pyjama comme ça, c'est... Ah non, elle est choupette, elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne, mais je vais juste quand même changer sa coiffure, si vous voulez bien. Parce que même si elle est mignonne, j'ai quand même envie qu'elle ait une coiffure un peu plus cohérente avec la maman et le papa. Parce que bon, là, on a mis des petits trucs. C'est quoi cette voix? Cette voix de Polly Pocket. Bah mettre ça, mettre des trucs... Wouah, elle est flippante. Elle est mais trop trop flippante. Oh là là, non les amis, je vais... Bon, elle est super mignonne, mais non, là je vais mettre le code. Je suis désolée. Il n'y a pas moyen, je vais mettre le code. Parce que là, non. Non, 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 non. Je vous reprends quand j'ai mis le code et que je l'ai changé. Les amis, donc voilà, je l'ai un petit peu changé. J'ai changé sa couleur des yeux ainsi que sa couleur de peau pour que ce soit un peu plus logique avec le père et la mère. Donc voilà, j'ai mis une coiffure que j'ai téléchargée que je trouve super mignonne pour les petites filles. Donc voilà. Ouvrir, tu vas vite manger un bout, ma chérie. Ouais, ma petite chérie, va manger un petit bout. Pour être bien en forme. Donc en théorie, ce qui sera bien, c'est que... ouais, il y a juste le social qui est pas tip-top. Allez ma chérie, va vite nettoyer ça. Notre petite madame... hop, notre petite Simset. Allez. Elle va vite. Allez, hop. Il faut vraiment qu'elle continue à peindre pour qu'elle puisse se faire un petit peu plus de sous. Oups. Si on peut faire encore un nouveau chef-d'œuvre, ça serait super intéressant. Ça pourrait vraiment être super. Mais qu'est-ce que tu nous peins là? Qu'est-ce que tu nous fabriques? Tu nous fais une toile impressionniste. Je crois que c'est ça que je l'ai fait faire. Oh, c'est joli. Ah, j'espère qu'on va avoir un beau truc, hein. C'est tout? Et vendre un collectionneur. Ah, c'est plutôt pas mal. Toile surréaliste, grande toile surréaliste, on y va.
On fait une dernière peinture, puis après, elle va manger un petit bout. Ok, elle nous fait le papillon, c'est super. Bah écoutez, tant qu'elle fait des beaux trucs et qu'on peut les revendre, moi, ça me va parfaitement. Et notre petite puce, là, on va la faire réviser assidûment parce que t'es mignonne, mais... voilà. Donc je pense que elle, on va quand même la garder dans le foyer. Le temps d'eux. Hop. Oh là là, c'était nul. Oh là là, c'était nul. Oh mais non. Quoi? Ah ben les amis, non mais arrête de réparer tes chiottes. On va aller avec elle. Non non non, tu vas tout seul c'est bon. Non mais arrête de réparer les chiottes, t'es en train d'accoucher. Oh je vous jure. Oh là là, sainte mère. Re les amis, moment de vérité, est-ce que ça sera une fille, est-ce que ça sera un garçon? On va voir. Bonjour, j'aimerais accoucher s'il vous plaît. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme garçon, fille, on ne sait pas. On ne sait absolument pas du tout. La machine, ok, voilà, je me dis mince, la machine va nous faire accoucher toute seule. Qu'est-ce qu'on va avoir? Petit garçon, petite fille. Ça va être la découverte, les amis. Les miracles de la vie. Tellement beau, tellement splendide, tellement magnifique. Ok, Darkinette n'a pas eu des super notes à l'école. C'est pas grave. On va continuer à la faire réviser assidûment et lui faire faire ses devoirs. Donc c'est une fille, une deuxième fille. Oh là là. Voilà, hein, ça sera Zazounette. Hein. Ça sera Zazounette. Ah bah voilà, ça c'est bien. Bon. Bah voilà, c'est chouette ça les amis. On va retourner chez nous avec notre petit bébé. Ah, oh, c'est super. C'est super. On va rentrer chez nous. C'est nickel. Faudra aussi qu'on essaie de faire les souhaits pour qu'elle ait plus de points pour la fertilité, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être vraiment intéressant. Re, les amis. Donc, notre petite, qu'est-ce que tu veux faire avec? Regardez l'étoile. Bon, je vais juste regarder une chose. On a 1003 points. Est-ce que... c'est combien de points? Fertile. Fertile, c'est 3000 points. Oh purée, on n'a pas encore fini journée, les gars. Bien. Allez, on va papoter un petit peu, ma chérie. Plaisanter sur le camembert. D'accord. Ah, je vois qu'il y a peut-être moyen d'avoir des points un peu plus vite. On va lire... Si je crois que si je fais ça. Si je fais ça, lire pour un enfant. Ah, peut-être si je fais ouvrir. On a des livres pour enfants? Non. Je vais acheter des livres, ça sera mieux en fait. Attendez. Acheter des livres, voilà. Donc, pour enfants, des devoirs, lol. Hop. Comment j'ai quitté votre père?
Oh, c'est immonde! Oh, c'est immonde! Oh, c'est immonde! Oh, c'est immonde! Lire pour l'enfant. On va lire comme ça. Oh, c'est immonde. Oh, que c'est juste immonde. Oh, c'est immonde. Oh. Donc, je vous rassure, ceux qui sont choqués par, le fait que je fasse l'approchement, ceux qui... les femmes qui quittent leur mari et tout ce genre de choses... Mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans, donc c'est quelque chose que je me permets de blaguer parce que moi-même je l'ai vécu, donc voilà. Enfin, blaguer, c'est jamais très drôle, hein, je vous l'accorde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est juste que là ça me fait un petit peu sourire, là c'est un peu d'humour noir, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas ici, est-ce que c'est considéré... Lire 2 heures, ok. On va essayer de faire ça. Ok, c'est génial. Être parent d'un enfant ayant 3 amis. Ok. Ouh, là, on n'est pas sauvé, les gars. On va essuyer. On va se changer. Changer de tenue quotidien 3, voilà. Notre petite... Oh là 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 là, Zazounette! Oh là là, Zazounette! Oh là là, Zazounette! Notre petite ici. Non, faut pas manger un repas rapide, faut manger un bon repas. Allez, prendre une portion. Oh purée, c'est pas possible. Utiliser, prendre une douche. Oh là 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 là, calme-toi Zazounette. Dodeliner, voilà, hop. Et bercer. Voilà. Et tu me fais du bordel là, c'est pas bien. Et tu m'as fait tes devoirs? Non, tu ne m'as pas fait tes devoirs. Allez, au devoir. On est tête des baraquis, mais tu feras tes devoirs, ma fille. C'est immonde. C'est immonde. Voilà. Oh, sainte mère. Bon, c'est bien. On va faire peindre encore un coup à la mer. On va vraiment profiter que... Elle est en forme. Allez. Au lit, madame. Au lit, petite madame. Toile enjôleuse, c'est bien. Oh, c'est mignon ce qu'elle nous fait là. Elle nous fait une boîte de chocolat. Voilà, on reprend la toile. J'ai comme envie de la terminer. Ah ouais, non, c'est chou. C'est mignon ce qu'elle nous a fait. Vendre un collectionneur. Oh, c'est bon ça. Toile classique. Grande toile classique. Alors, on va essayer de faire encore une toile. Ah, je crois qu'elle nous fait un chef-d'œuvre, les amis. Je crois que cette apparence de truc est classée dans les chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est super. On va se faire des sous. Allez, dépêche-toi de le finir, ma belle, parce que là, dès que tu l'as fini, tu le vends, et puis après, tu vas dormir pour essayer d'être quand même en phase. Que? Oh, j'avais en tête que c'était un chef-d'œuvre, ça, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, elle va aller dormir. Comme ça, eh bien, le lendemain, on pourra déjà essayer de draguer un papa. Je vais essayer de tomber enceinte. Ça pourra être vachement bien. Essayer d'avancer, donc d'avoir plein de bébés. Fou là 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 là, c'est
pas évident, je me réjouis qu'il grandisse ce bout de chou, je vous le dis. Voilà, doliné, bercé, allez, fais dodo. Zazounette, ma petite fille, fais dodo, t'auras du lolo. Ouvrir, tu vas manger vite, hein. Qu'est-ce que tu pourrais manger? Prendre une portion, allez, hop. Notre fille qui dort toujours. C'est... Ah bah voilà, non, je dis ça, elle vient de se réveiller. C'est nickel. Ouvrir, mange vite un truc. Hop, prendre une portion, voilà. Ah oui, ce qui est bien, c'est que comme elle a lu un bouquin avec sa mère, elle est en super forme. Donc ça, c'est bien, ça. Elle est en super forme, on va vite... Bah non, ça va aller, on va utiliser ça, prendre une douche. En vitesse. Notre petite louloute ici, allez, range ton assiette. Oh là là, ce bébé qui passe sa vie à pleurer. Hop. Donc, on va appeler un papa, un éventuel papa. Qui est-ce qu'on va inviter? On va inviter donc lui. Lui, je le vois bien. Invite à venir sur le terrain actuel. Super. Donc il est déjà marié, mais on s'en fout. On s'en bat les steaks. Invité à entrer. Oui, il va en pyjama à l'école, tout à fait. Notre petite va. Réviser assidûment pour avoir un A. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Imaginez de quelqu'un, tu vas essayer de le draguer au max. Pourquoi t'es embarrassé? T'as pas à être embarrassé? Donc il y en a qui m'ont conseillé de faire draguer avant de... Attendez, de... Allez, de faire technique de drague et draguer avant de d'avouer mon attirance. Je vais essayer ça. Voir, est-ce que vous avez raison ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Ouh, ça fonctionne en tout cas. Ici, ça fonctionne. Complimenter l'apparence. Allez, il nous faut un autre papa. Il faut que ça avance, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tourne. Je vous le dis. Donc je vous rappelle, le 100 bébés challenge c'est tous les lundis et vous avez l'après-midi donc le 100 bébés challenge sur la chaîne de Youx, donc le matin 7h sur tous les lundis matin 7h vous avez l'épisode sur ma chaîne et l'après-midi c'est sur la chaîne de Youx, vous avez le lien vers la chaîne de Youx en description de vidéo, c'est ma meilleure amie et partenaire tout simplement, donc voilà, on va continuer à draguer. Ok, c'est bien. Elle dort. Fabuleux. Avouez son attirance. Alors, on va essayer. On l'a un petit peu dragué avant. Premier baiser. Allez, il y a moyen. Moi, je vous dis, il y a moyen. Allez, kiss. Nice. Eh ben, les sushis, vous aviez raison. Hein. Je vais faire comme ça, moi, maintenant. Je vais plus me prendre la tête. Je vais plus me prendre la tête. Donc... Amour. Enlacé. Amour embrassé, voilà. Est-ce que vous pensez... Ouais, non, pas encore. Hein. C'est pas encore ça. Essayez de faire un bébé avec. Allez, on va essayer. Ah. Est-ce qu'elle va être enceinte? Allez, on espère, les amis, on croise les doigts. Hein. Je veux vous voir... Oh, purée, il est Jaster, là. C'est pas grave. Bah, ce qu'on va faire, on va faire un test de grossesse. Et vous saurez le résultat du test dans le prochain épisode. Bye bye!